Bonsoir à tous, bonsoir Nicolas. Bonsoir Véronique, bonsoir à toutes et à tous. Comment vas-tu? Très bien, merveilleusement bien. J'ai passé une magnifique journée et elle se continue merveilleusement ensemble. Bon, et ben c'est génial. Alors moi, je vais faire un grand coucou. Ben, on dirait que j'ai dormi là, quoi, en fait, parce qu'on était en live aussi hier. Alors voilà. Donc, je fais un grand coucou à Marie, à Monique, à Christina, à Sarah, à Palbon, à Marielle 34, à Vivi, à Nadine, à Guylaine et tous les autres. Comme vous le savez, bien, vous êtes dans mon cœur. Voilà. Alors, Nicolas, je vais te laisser aborder le sujet. Et puis, on va t'écouter religieusement. Hein? Pas trop voilà. Quand même. Alors, je fais comme d'habitude. Si toutefois, il y avait des questions à un moment donné, donc tu me le dis si tu veux. Hein, je te les mettrai en surbrillance en bas. Et puis, oui. et puis on fait comme tu le souhaites. Eh bien, d'accord. Avec très grande joie, merci beaucoup, merci infiniment Véronique, merci à toutes et à tous d'être là. Ce soir, on a un programme chargé, on va voir beaucoup de représentations, beaucoup de présences, beaucoup d'êtres de lumière et d'amour qui vont être avec nous, beaucoup d'énergie apaisante, de bien-être aussi. Donc, ce que je vous propose tout simplement, comme je le fais d'habitude, si tu es d'accord Véronique, eh bien, on peut simplement se mettre voilà, dans le cœur, dans l'instant présent, en soi, et tout simplement bah, demander à notre soi divin, notre divinité, qui on est, de recevoir bien, ce qu'on a à recevoir et, afin de partager voilà, l'amour et la lumière. Tout simplement. Donc, eh bien, je vais partager l'écran, si tu es d'accord. Voilà. Voilà, alors on va faire un grand, grand voyage galactique aujourd'hui. Et après ce voyage galactique, eh bien, il va y avoir une déclaration de souveraineté, d'amour, d'unité et de paix pour soi-même et pour l'humanité. Parce que c'est vraiment très, très nécessaire à cet instant que nous, en tant qu'êtres humains, on prenne vraiment notre souveraineté, notre pouvoir en vraiment diffusant et en partageant l'amour et la lumière que nous sommes. Donc, on va commencer ce voyage voilà, galactique par cette diapositive. Hein, donc, avec au centre, ici, vous avez un ancien. Ici, vous avez un sage. Ici, ça peut être une pléiadienne, par exemple. Un être de proportion, un être félin. Et ici, donc, vous avez d'autres êtres, donc des reptiliens et d'autres êtres. Voilà. Et donc, ce voyage galactique est vraiment placé sous le signe de l'amour, de l'unité et de la paix, sachant que toutes les consciences, quelles qu'elles soient, elles sont issues d'une seule source, c'est la source divine. Chacun peut l'appeler comme il veut, Dieu, l'univers, ou voilà, c'est chacun le voit comme il veut, mais il n'y a qu'une seule source d'amour, d'intelligence et qui est présente en chacun de nous. Alors, la Voie lactée, eh bien, voilà, on voit la Voie lactée donc, qui fait 100 000 années-lumière de large. Donc, c'est une galaxie spirale et qui a entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Et donc, nous sommes ici.
dans le bras d'Orion. Hein. Donc, le bras d'Orion, donc ici, vous avez le centre galactique avec le soleil central ici. Et donc ici, vous avez les bras donc de la galaxie. Et nous, nous sommes ici dans ce bras-là, qui est le bras d'Orion. Et donc, voilà, c'est ici que nous nous situons. Donc ici, vous avez des êtres, des étoiles à chaque fois. Hein. Donc ici, vous avez par exemple les Cassiopéens. Vous avez les Arcturiens bleus ici. Ici, vous avez un être de Sirius. Et ici, un être de Polaris. Et ici, voilà, d'autres êtres également qui sont présents dans la galaxie ou ailleurs. Donc, ces êtres, ils peuvent être dans différentes dimensions, comme on va le voir. Et donc, ce voyage est vraiment un voyage multidimensionnel qui va nous faire voyager dans les dimensions, dans les plans où nous devons aller. Et donc, bien sûr, le voyage commence par les hautes vibrations qui nous viennent du centre de la galaxie et au-delà, hein, puisque notre galaxie elle-même fait partie de la galaxie d'Andromède. C'est comme si notre galaxie était un enfant, si vous voulez, de la galaxie d'Andromède, elle en fait partie. Et donc, on a toute cette gamme de fréquences et de densités qui se situe donc dans notre galaxie. Alors, il y a donc des milliards d'années, une immense fréquence céleste très élevée s'est présentée du côté de la Lyre. Donc, vous voyez que la Lyre est là, hein, et nous, nous sommes ici. Et voilà, ces êtres peuvent être appelés aussi les fondateurs ou les Elohim. Donc, on peut les appeler aussi les planificateurs de vie. Donc, les planificateurs de vie, ce sont des êtres qui sont très, très, très avancés dans les très, très hauts plans de lumière et qui, eux, manifestent le plan divin. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un plan, si vous voulez, qui est fait par le Créateur et en collaboration avec l'esprit mère de l'univers, au niveau de l'univers local. Et il y a un plan de manifestation et d'expansion de la vie. Et donc, les Elohim, les fondateurs, les planificateurs de vie, manifeste cela dans les univers et dans les galaxies. Alors, une fois que ces êtres sont arrivés, ont commencé à ensemencer la vie au sein de la galaxie, bien sûr, elle a commencé à foisonner et la conscience s'est expandue, 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 parce que ce sont des êtres de très haute conscience. Et donc, il y a donc un corps de lumière, un light body, qui a été créé en utilisant des codes de lumière, et ce qui a permis en fait à des êtres de très haute dimension de pouvoir en fait venir habiter et faire des expériences et se révéler aussi dans les mondes plus denses. Dans les mondes plus denses, ces codes de lumière se manifestent par des molécules d'ADN. Et notre ADN est bien entendu multidimensionnel. Alors, les fondateurs ont combiné donc les light codes, les codes de lumière, avec aussi des codes de lumière de primates, notamment par exemple du côté de la Lyre, ce qui a permis de créer également donc des êtres capables de vivre en dessous de la septième dimension. Hein, donc, il y a le système, on appelle ça le système B7. Et un système donc qui va jusqu'à la septième dimension, un système jusqu'à la douze, et après ça va encore au-delà. Donc ensuite, à partir du moment où voilà cet ADN a été créé avec les codes de lumière, eh bien on a pu constater une densification, si vous voulez, du corps a pu se manifester pour que la lumière puisse faire une expérience incarnée dans des corps de plus en plus denses, jusqu'à la chair, jusqu'à la matière, bien, comme nous, par exemple. Alors, avec le temps, bien sûr, les civilisations ont grandi, se sont développées, ont créé des civilisations florissantes qui dépassent l'imagination humaine, avec des cités cristallines, des cités de lumière.
voilà, en harmonie, en paix, donc des cités vraiment magnifiques et qu'on aura, nous, en tant qu'êtres humains, certains êtres humains, l'occasion de visiter progressivement une fois que tous les contacts avec les frères et sœurs seront grands ouverts. Donc, alors il y a eu différentes migrations, hein. Il y a eu des êtres de la lyre qui sont allés du côté de Sirius pour s'adapter à de nouveaux environnements, ce qui concourt à chaque fois au fait d'adapter l'ADN aux conditions de vie et d'évolution sur place, parce que voilà, les conditions énergétiques, les conditions de la lumière, les conditions de la vie, des soleils, des étoiles, les fréquences sont différentes, donc à chaque fois, il y a une adaptation de la vie qui se fait. Et donc, voilà, on a vu aussi, ils sont apparus, étaient présents également, bien sûr, des êtres reptiliens, des êtres aviens, des êtres félins, des êtres humanoïdes. Voilà, il y a vraiment de très grandes variétés d'êtres qui se situent dans notre galaxie. Et bien sûr, au-delà, sachant que bien, toutes les galaxies sont habitées, hein. C'est vraiment toutes les planètes, d'une manière ou d'une autre, voilà, sont le réceptacle de la vie. Alors, il y a également des groupes qui ont évolué du côté de Vega, comme des humanoïdes, des humanoïdes reptiliens, des reptiliens. Et donc, il y a eu différentes cultures aussi qui se sont développées, comme du côté de la lyre, de Vega, de Sirius, avec toute cette variété d'êtres qui représentent voilà, une variété de formes et de consciences qui prennent forme et qui font l'expérience de l'incarnation. Alors, il y a également un aspect à prendre en compte, c'est l'aspect de la polarisation. Donc, en réalité, tout est équilibre. Mais quand on descend dans les basses dimensions, comme dans les dimensions dans lesquelles on se trouve, ou même ça existe encore dans les cinquièmes dimensions, eh bien, il y a la polarisation donc, féminine et la polarisation masculine. Et il se trouve par rapport à la densification, il y a une polarisation qui est apparue, qui fait qu'il y a eu comme une désunion. Quelque chose qui a fait un éloignement, on va dire, entre la polarité masculine et la polarité féminine. Et la polarité donc masculine voilà, est devenue de plus en plus séparée et de plus en plus agressive. Ce qui fait que comme cette conscience qui est masculine, le masculin, c'est le propre à rechercher vers l'extérieur aussi, hein, eh bien, il y a eu un oubli qui est apparu de la multidimensionnalité de l'être, et il y a eu un oubli aussi qui est apparu au niveau de certains êtres, à savoir que leur connexion au cœur s'est retrouvée amoindrie. Donc, ils se sont trouvés dans un état énergétique de déséquilibre dans un état de fréquence plus faible que ceux qui sont toujours dans l'harmonie du cœur et qui ont toujours un équilibre énergétique et une connexion avec la source divine. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ont perdu la connexion avec la source divine, mais c'est une illusion en fait de séparation. C'est vraiment une expérience spécifique. Et comme voilà, cette polarisation a augmenté jusqu'au point où des conflits ont éclaté. Et donc, il y a eu des conflits, notamment du côté de la lyre. Ce qui a concouru à faire en sorte qu'il y ait de grandes migrations dans la galaxie. Donc, il y a eu à la suite de cela vraiment une propagation de la vie et des peuples qui se sont propagés dans la galaxie. Donc, par exemple, Altaïr, Centaure, Sirius et d'autres secteurs.
Alors, voilà, il y a eu également des conflits du côté de Sirius. Voilà, ce qui a continué, en fait, permis ces migrations et l'ensemencement de la vie dans la galaxie. Alors, ce qui est important aussi, ce qu'on me dit, c'est que nous, en tant qu'âme galactique, nous sommes nombreux à apporter ces mémoires de ces temps d'âge de conflits qui ont pu avoir lieu dans la Lyre ou du côté d'Orion. Et donc, il est important pour nous, déjà d'abord, et puis ensuite, d'un point de vue collectif, eh bien de guérir et d'harmoniser toutes ces mémoires et tout ce qu'on a pu vivre dans ce cadre-là, parce que ça va vraiment permettre une grande guérison sur des plans qu'on n'imagine même pas. Donc là, vous avez par exemple des êtres de Sirius, ici vous avez un Arcturien, voilà. Ici, je crois que c'est Pléiade. Voilà, et donc il y a certains groupes voilà, qui sont très guerriers et justement c'est en lien aussi avec la déclaration qu'on va faire de souveraineté tout à l'heure, car il faut savoir que du fait de l'ascension terrestre, eh bien, il se déroule des tensions, même un conflit, des tensions très importantes au niveau du système solaire et également dans d'autres systèmes de la galaxie. Et donc, on va œuvrer pour ça aussi à travers cette déclaration de souveraineté. Donc, il y a également de nombreux peuples voilà, qui sont allés du côté des Pléiades, qui est un système où il y a 2000 étoiles à peu près, ou des étoiles très jeunes. Qui permettent voilà l'expansion de la vie. Alors ils ont terraformé des planètes et ils ont vraiment manifesté de nombreuses choses magnifiques et donc une exquise beauté et créatrice s'est manifestée à travers la galaxie dans cette période et continue bien sûr actuellement. Je vous laisse apprécier la beauté de ces représentations. Donc ici, vous avez un aide de Cassiopée, par exemple. Ici, ça peut être un aide de Sirius. Ici, pourquoi pas Pléiade. Alors, vous avez également les elfes qui existent. Voilà. Voilà, donc ici, vous avez une sœur Yael. Ici, je crois que c'est Sirius. Andromède. Voilà, Pléiade, Sirius. Donc voilà. Donc bien sûr, il y a des êtres félins aussi. Sirius. Après, je ne connais pas toutes les provenances. Alors, il y a des êtres aussi qui ont la peau noire, bien sûr, en fonction des étoiles. Donc c'est très, très, très varié, hein. Et donc, bien sûr, des magnifiques cités de lumière ont été créées. Et pendant ce temps-là, donc du côté d'Orion aussi, voilà, un empire s'est mis en place qui s'appelle l'Empire d'Orion. Et donc, ça a concouru en fait aux guerres d'Orion. Alors, à partir de ce moment-là, des êtres non physiques venus d'Arcturus et de Sirius ont offert des soins holistiques. Donc, comment s'est terminée, par exemple, la guerre d'Orion? Bien, ça s'est terminé par l'amour, l'unité, et par la guérison, l'équilibrage des polarités. Et donc, ça a manifesté beaucoup de sagesse
et beaucoup d'intelligence aussi, à savoir qu'au final, d'un point de vue de la source, si vous voulez, l'intelligence et l'amour, ce sont deux choses qui sont tout à fait unifiées. Et vous avez un aspect, l'intelligence qui est aimante, donc l'intelligence qui aime, et vous avez l'amour qui est intelligent, et l'amour accueille l'intelligence et l'intelligence permet à l'amour aussi de s'exprimer, donc les deux sont un. Et donc, du côté de Orion, et pas que, bien sûr, eh bien, ils ont réussi à équilibrer les polarités, et de ce fait, à maintenir un équilibre, c'est-à-dire à intégrer l'unité en eux, comme ce que nous avons aussi comme potentiel et à faire sur Terre, c'est-à-dire intégrer l'ombre et la lumière en nous pour manifester l'unité, sachant que eh bien, nous sommes les deux, nous venons d'au-delà de toute. Voilà, nous venons vraiment de l'équilibre, au-delà pour certains d'entre nous, au-delà de cet univers, des galaxies, sommes vraiment des êtres de la source qui prenons corps et qui s'incarnons. Et à travers le fait d'être dans cette vibration d'amour et de paix, eh bien, on va guérir en nous et on va permettre aussi cette guérison de se partager, de se propager tout autour de notre système solaire, dans la galaxie et au-delà, en fait. Donc vraiment, le potentiel de l'expérience humaine, c'est vraiment une clé qui permet la guérison, qui permet la manifestation de la paix et de la réalisation de l'amour. Alors justement, du côté d'Orion, il y a eu l'apparition des Christs d'Orion. Donc des êtres voilà, de la deuxième dimension multidimensionnelle qui justement à travers cet amour inconditionnel, cet amour christique ont permis cette harmonisation, ont permis à ces guérisons de se produire et de se manifester. Et donc de très nombreux êtres sont apparus et sont porteurs de ces énergies d'union et d'unité à travers cette énergie du Christ, j'ai envie de dire, du Christ universel. Donc, vous voyez, c'est des êtres magnifiques, hein, je ne sais pas si vous ressentez l'énergie. Je pense que de nombreux le ressentent, mais c'est vraiment quelque chose de fantastique, hein. Alors voilà, plus récemment, certains groupes de reptiliens, d'Alpha Dragonis, d'Orion sont venus dans le système solaire. Parce qu'ils ont été attirés par la riche diversité en fait, de la vie sur Terre et également par notre ADN. Donc, comme je vous l'ai dit au départ, notre ADN il a une origine très très élevée, à l'origine même 24 brins d'ADN et pas seulement 12, puisque ce sont les planificateurs de vie, ce que l'on nomme les orafins, qui ont créé voilà, notre ADN, initialement, hein, tout au début. Donc voilà, vous avez ici de nombreux frères et sœurs qui sont, par exemple, dans l'intra-mer, ici. Il peut très bien y avoir aussi des êtres de l'intra-terre. Ici, donc, vous avez des êtres félinoïdes, entre guillemets, type chat. Voilà, et de nombreux groupes que l'on voit ont des starseeds, donc des êtres, des âmes, de ces familles d'âmes qui sont incarnées dans le processus évolutionnaire humain à l'heure actuelle. Voilà, donc une très grande diversité de la Terre qui est magnifique. Et donc, vous avez également, bien sûr, les Pléiadiens, les Lyriens, les Siriusiens. Bon, certains
les appelle les Syriens, moi je les appelle les Syrusiens, parce que les Syriens, ça peut se confondre avec la Syrie. Donc moi, les Syrusiens m'ont demandé de les appeler les Syrusiens. Et donc ils ont commencé à travailler pour upgrader l'ADN de l'être humain. Donc l'être humain a vraiment un mélange très très important d'ADN de toute part de la galaxie. Et c'est pour ça aussi que c'est. Et on a de l'ADN qu'on appelle aussi bien involutif, c'est-à-dire un ADN de type très dense, de type reptilien par exemple, et on a de l'ADN très lumineux aussi lié directement à la source. Donc, si vous voulez, ça fait quelque part de l'être humain un pont entre différents groupes de conscience, entre différentes consciences. Et ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, en ce sens que on est un pont qui va permettre un équilibre de se réaliser et pour manifester eh bien, de la guérison, pour manifester des énergies christiques qui vont pouvoir aller soigner et aller guérir aussi les êtres qui se sont coupés à plus ou moins forte raison de la source et qui le désirent, ceux qui le désirent. Donc ça fait que voilà, cette énergie d'amour, de paix et d'unité va les aider à ascensionner aussi, de retourner sur un chemin de lumière. Et bien sûr, ça va permettre aussi aux groupes évolutionnaires qui, eux, ne se sont pas coupés de la source, de manifester aussi ce qu'ils sont. Donc ça va aussi leur permettre d'évoluer et d'ascensionner. Alors, andromédien, et bien là, je crois que cet être est andromédien, si je ne me trompe pas. Celui-ci. Alors, il faut savoir que quand je vous présente des représentations, il y a de multiples formes qui existent, hein. Il y a de multiples formes, il y a de multiples variantes, il y a beaucoup d'hybrides qui existent, il y a de nombreuses hybridations qui existent, parce que voilà, il y a des colonies qui sont faites ensemble, par exemple, donc il y a des mixités qui se font entre les peuples, que ce soit naturellement ou de manière génétique, parce qu'il y a des compatibilités, bien sûr, qui peuvent exister entre différents peuples. Et après, il y a toujours aussi des adaptations qui se font même naturellement, ne serait-ce que naturellement, par les fréquences du système et des planètes qui sont chaque fois uniques et qui permettent justement ces manifestations uniques de la forme aussi. Non, certaines appartiennent à d'autres galaxies et certaines appartiennent même à d'autres univers. Alors voilà, l'ADN humain a été upgradé aussi. Alors il y a eu la vie sur Mars. Mars a hébergé la vie. Il y avait des cités sur Mars, il y avait de l'eau sur Mars. Mars, vraiment une planète qui a hébergé la vie. Et qui hébergent toujours la vie, d'ailleurs, actuellement, notamment dans des cités qui sont à l'intérieur de Mars. Et nous-mêmes, les êtres humains, nous avons, avec le programme spatial secret, nous avons des points de présence sur Mars aussi. Et bien sûr, nous travaillons et nous œuvrons déjà au niveau du programme spatial secret, qui est de moins en moins secret, avec de nombreux êtres des étoiles. Voilà, donc l'homme a été préparé, hein, depuis. Il faut savoir que l'homme est plus ancien que ce qu'on dit, hein. L'homme n'a pas 300 000 ans, il a des millions d'années. Il y a plusieurs variantes d'hommes qui ont existé. Et au final, voilà,
un seul peuple humain qui subsiste, mais qui a différentes qualités d'ADN. Par exemple, vous avez les êtres des Pléiades, qui sont originaires des Pléiades, les Asiatiques, donc ils ont plutôt des liens avec les Pléiades. Vous avez les Siriusiens, les êtres de Sirius à la peau noire, qui en Afrique, qui ont des liens avec Sirius. Vous avez les Celtes, vous avez les Amérindiens qui sont aussi des êtres à la peau rouge que l'on trouve aussi du côté des Pléiades. Vous avez les Mayas en bordure des Pléiades. Voilà, vous avez de très très nombreux groupes sur Terre qui sont aussi venus expérimenter sur Terre et aussi qui ont été accueillis dans l'amour et la lumière de Mère Terre Gaïa par rapport au fait qu'ils cherchaient une terre d'accueil aussi. Et bien sûr, se sont développées de très nombreuses civilisations, conseils, alors que ce soit le conseil des cinq, le conseil d'Andromède, le conseil voilà, d'autres groupes, la Fédération Galactique Dorée, l'Alliance des Créateurs de Monde. Voilà, il y a de très nombreuses alliances et groupes et fédérations qui existent. Et de très nombreuses sont ici pour nous aider. Il y a également l'Alliance des planètes au service du Créateur infini unique. La Confédération des planètes, me dit-on. Voilà, donc ici vous avez Ashtar. Alors bien sûr, hein, c'est un être aussi... Tous ces êtres-là que vous voyez comme nous autres, eh bien, sont des êtres multidimensionnels. Voilà, sauf que eux, ils ont bien sûr pleinement conscience à travers l'activation de leur ADN et le fait d'incarner voilà leur essence. Nous, on commence bien sûr à, tout doucement, au rythme parfait, à s'ouvrir à ça. Donc ici, vous avez un être de Sirius, par exemple. Ici, c'est Pléiade. Ici, c'est un arcturien très élevé de la 9e, voire de la 10e dimension. Donc, cet être est déjà pas très loin des fondateurs en termes de densité. Et donc, il y a de très nombreux groupes voilà, qui sont venus sur Terre et qui ont émigré progressivement sur Terre. Avec bien sûr des races pléiadiennes, des races reptiliennes, comme je le disais, les races ici, vous avez Melchizedek qui est dessiné, voilà, ici Pléiade, vous avez les reptiliens. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait dire ou penser, tous les reptiliens ne sont absolument pas négatifs ou hostiles. Ou autre par rapport à la vie aux êtres humains. Voilà, il y a des groupes qui le sont, bien sûr, mais on ne peut jamais faire d'amalgame à ce sujet, sachant qu'il peut y avoir des êtres de différentes formes qui se sont dirigés vers des expériences d'illusion de séparation ou de densité, ou qui ont été pris dans certains pièges ou expériences karmiques ou de ce genre de choses. Voilà, alors il y a eu également de très grandes civilisations du côté de Mu. Donc, il faut pas croire que la Terre évolue suivant des millions d'années. Ça peut être des milliers d'années seulement, des milliers ou des dizaines de milliers d'années. Il peut très bien y avoir un continent qui disparaît complètement, un autre qui apparaît complètement. L'évolution de Gaïa peut être très rapide et c'est une planète... qui a connu de nombreuses modifications aussi au niveau des continents présents. Donc ici, pareil, à chaque fois, vous avez par exemple ici, je crois que c'est un être de la Lyre, un Lyrien. Donc voilà, différents peuples qui étaient présents dans la Lyre, des Pléiadiens aussi.
Au niveau de mu par rapport à nous. Donc, il y a également, bien sûr, de nombreux traités de paix qui sont signés pour permettre à chacun d'évoluer ben, comme il l'entend, tout simplement, et voilà, et d'envisager ben, la vie comme il le souhaite. Donc, il y a eu également la grande civilisation d'Atlantis. L'Atlantide, hein, qui a eu plusieurs itérations, donc c'est une expérience aussi qui a été autorisée par le Conseil galactique, qui fait que il y a eu trois, à ma connaissance, trois grandes expériences Atlantes, qui avaient pour but de manifester une civilisation de la cinquième dimension sur Terre. Et durant l'âge d'or de l'Atlantide, ben, c'était quasiment le cas, mais ça a échoué en fait de peu parce que il y a eu une chute de la conscience au niveau Atlante qui fait qu'il y a eu des séparations qui se sont faites au niveau des groupes de sociétales et qui fait que certains, donc les fils de Bélial, se sont tournés vers la densité, vers la matière, tandis que d'autres, les fils de Ra ou les fils de l'un, on va dire, les gardiens de la loi une, sont restés. Eux, dans l'unité de l'amour et de la lumière et de toute vie. Donc, l'Atlantide était une civilisation extrêmement avancée. Nombreuses personnes qui regardaient cette émission, vous avez peut-être des mémoires atlantes au sein de votre âme en vous. Ça peut être aussi le cas, bien sûr, pour Mu. Ou même d'autres civilisations. Il n'y a pas que eu Mu Atlantide, hein, il y a eu également l'Hyperborée, par exemple, notamment avec les Aldébariens, mais pas que, je pense, qui étaient aussi dans cette Hyperborée. Et finalement, donc, ils se sont tous, c'est-à-dire que les descendants, voilà, des Hyperboréens sont allés en Atraterre, les descendants Atlantes, des descendants de la période de la Lémurie, par exemple, les Téleusiens, voilà, de nombreux peuples comme les Ramas, comme également voilà, les Mayas, eh bien, ils sont allés ensuite en Atraterre pour former une seule société. Avec différentes villes dans l'intra-terre, eh bien que l'on nomme Agartha. Et donc, il y a également des êtres incarnés qui ont connu, qui connaissent, qui ont connu des incarnations dans le royaume d'Agartha. Donc voilà, la technologie cristalline de l'Atlantide. Alors, ils avaient un cristal maître immense qui était une seconde lune qui faisait des kilomètres de diamètre et qui était dans un cristal fait par les Arthuriens, un cristal très très pur qui stockait l'énergie et en fait la redistribuait ensuite au niveau de toute la société Atlante. Il y avait des boucliers, des champs de force autour des villes, donc des dômes, qui étaient de couleurs différentes. Et donc, il y avait à chaque fois des temples et des universités dans les villes. Et donc, le cristal maître, eh bien, gérait tout ça, qui était donc cette lune, à antigravité. Et en fait, elle permettait à l'énergie de circuler et à la société Atlante de fonctionner. Et donc, comme je disais, il y a une chute de la conscience atlante qui fait qu'ils ont utilisé cette énergie cristalline à des fins guerrières. Et bien, ce qui a fait que cette lune, par exemple, elle n'était pas prévue pour ça. Et bien, elle s'est effondrée. Donc, l'antigravité a arrêté de fonctionner. Et donc, ça a créé une énorme conflagration, explosion sur Terre qui a fait que l'Atlantide s'est enfoncée sous les eaux, en fait.
Alors, comme dit, hein, il y a eu trois expériences Atlantes et la troisième, elle s'est terminée dans, il y a 18 000, il y a 12 800 ans. Et ensuite, il y a eu différentes migrations de peuples Atlantes, que ce soit en Turquie, dans les Pyrénées, en France, que ce soit en Afrique, donc notamment en Égypte, bien sûr, qui a donné après la très florissante civilisation égyptienne. Il y en avait également des points de présence dans le désert de Gobi. Voilà, il y avait vraiment des grandes migrations qui ont eu lieu des Atlantes dans ces périodes-là. Donc après, donc l'Égypte est devenue prédominante. Hein, donc sachant que les pyramides ont été construites par les êtres des étoiles, notamment par des êtres d'Orion et des êtres de Sirius, et également les prêtres de la loi une, donc du groupe on va dire des élites ou des, enfin, entre guillemets, des dirigeants, si vous voulez, sociétales, des leaders sociétaux de l'Atlantide. Et plus récemment, donc dans les années 40, il y a des groupes qui, suite au fait que nous sommes rentrés dans un âge nucléaire, eh bien, sont arrivés sur Terre, notamment les États, et qui ont commencé dans les années 53, après un accord avec Eisenhower, à faire des abductions. Suite à des accords qui ont été donnés par plutôt la branche militaire d'Eisenhower, parce qu'Eisenhower n'était pas trop d'accord, mais bon, il a été obligé de céder aussi. Et donc ensuite, ça a donné différentes branches évolutionnaires au niveau technologique qui ont manifesté finalement le programme spatial secret, en ce sens que les Américains ont manifester, créer leur propre programme spatial secret à travers des engins spatiaux qu'ils ont récupérés des êtres des étoiles. Et les Allemands avaient fait déjà leur propre programme spatial secret, avaient fait de même dès les années 20, donc 1920. Et par exemple, vous avez les Foo Fighters au niveau de la Deuxième Guerre mondiale, qui étaient en fait des engins spatiaux nazis, qui ensuite ont créé une branche spécifique du programme spatial secret, qui a fusionné ensuite avec le programme américain. Sachant que de nos jours, bien sûr, il y a un programme américain, donc Solar Warden, qui travaille, donc ce sont les Américains, hein, la Navy, qui me dit a fusionné avec le programme de l'Air Force. Et donc a donné une branche de programme spatial secret qui travaille étroitement avec nos frères et sœurs des étoiles. Et donc il y a cette branche-là, et bien sûr il y a une autre branche aussi qui est historiquement celle qui était en lien avec les nazis, qui est une branche beaucoup plus sombre, notamment ce qu'on appelle la flotte noire. Alors, il faut savoir qu'actuellement, justement, encore actuellement, il y a beaucoup de bases qui existent, que ce soit dans le système solaire ou en intra-terre, où il y a des êtres, soit humains, soit non humains, qui sont retenus en otage et dont ils font l'objet d'expérimentations et d'expériences, que ce soit à différents niveaux, on va dire, sans rentrer dans les détails. Et donc l'œuvre qu'on va faire tout à l'heure, ça va être aussi pour aider à faciliter les libérations et à manifester les libérations de tous ces êtres, soit des âmes, donc c'est-à-dire les êtres des étoiles sont capables, enfin les êtres, on va dire ceux qui font plus ça d'une certaine manière, on va dire les êtres de l'ombre-lumière peuvent aussi garder les âmes dans des conteneurs électromagnétiques
Il y a également, donc il y a ces âmes-là qui sont dans ces bases, qui sont ou dans des vaisseaux, et il y a également des otages physiques ou même des enfants qui sont dans ces bases. Voilà, ces enfants sont endoctrinés et deviennent des enfants, sont endoctrinés à faire la guerre, etc. Et donc, il y a des libérations qui se produisent et qui sont réalisées par les forces, justement, des programmes spatiaux secrets avec les forces des êtres de la lumière. Alors, il y a également les êtres d'Andromède, de la galaxie d'Andromède, donc on en a parlé tout à l'heure. Donc les êtres d'Andromède sont des êtres très très avancés. Cette galaxie n'a pas connu comme nous les guerres galactiques, etc., de façon nettement plus sporadique à ma connaissance. Et donc, ce qui fait que ces êtres, voilà, ont gardé une grande pureté ce sont des êtres qui aident aussi beaucoup l'humanité. Il y a aussi des êtres directement de la galaxie d'Andromède qui sont incarnés sur Terre. Voilà, alors ce tableau, je l'aime beaucoup. Alors, il y a de plus en plus de races et de peuples qui ont joint les différentes confédérations galactiques, hein. Donc ici, vous avez Sirius, des êtres félins, voilà, des êtres qui ont des formes un peu différentes, mais voilà, c'est toujours dans l'objet, eh bien, d'accompagner les peuples moins élevés dans leur développement et toujours dans l'accompagnement évolutionnaire, la manifestation, eh bien, de la lumière et de la vie. Et de nos jours, eh bien, il y a de nombreuses hybridations qui sont réalisées entre les peuples humains, le peuple humain et les êtres des étoiles. Et par exemple, nos frères et sœurs Yahiel en sont, mais il n'y a pas que, il y en a de nombreux autres. Donc il existe des êtres hybrides, soit qui ont des gènes gris et humains, donc humains et gris, donc comme les Yahiel. Donc vous avez également les Sassani, vous avez également des hybrides humains-aviens, humains-félins, humains-Sirius, Sirius 1. Alors vous avez très très nombreux programmes d'hybridation qui sont en cours et qui va permettre voilà à ce qui se passe ici de s'expanser, de se poursuivre aussi dans d'autres coins de la galaxie, qui va permettre aussi à des âmes de s'incarner dans des vaisseaux qui sont inédits, donc qui sont vraiment tout nouveaux. Donc pour manifester de nouvelles expériences de vie. J'aurais une question, Nicolas, si je peux me permettre. Ouais. Je crois avoir entendu où tu as dit qu'il y aurait des hybridations. Alors, tu as cité, pardon si je me trompe, l'humain et par exemple le Sirius. Alors, Oui. ça me tendrait à dire qu'ils sont sur Terre. Oui, tout à fait. Il y a certains Oui. humains qui savent qu'ils sont là, c'est ça? Alors, ils sont sur Terre, oui. Alors, il y a des hybrides. Il y en a aussi en surface dont certains le savent, bien sûr. Les êtres des étoiles, ils ont de nombreux points de présence, donc des bases. Ne serait-ce qu'en France, il y en a de très nombreuses, par exemple, qui sont sous des montagnes ou au fond des lacs, au fond des océans, ou vraiment plus profondément dans la Terre, vraiment jusqu'au centre de la Terre. Plus vous allez au centre de la Terre, plus vous vous rapprochez des autres fréquences et des hautes dimensions. Et au final, voilà, la Terre est une émanation directe du Soleil central. Donc si vous allez au centre du centre du centre du centre de la Terre, eh bien finalement c'est la même chose que vous êtes. Quasiment la même chose que si vous étiez au Soleil central, sauf que vous prenez un chemin différent qui est le chemin bah, de l'essence de Gaïa.
Donc, il faut savoir que parmi les personnes qui nous regardent, peut-être que certains d'entre vous avaient des enfants hybrides, parce que au cours d'abduction, alors qu'ils peuvent être consentis ou non, hein, mais bon, en tout cas, il y a un choix d'âme aussi qui est fait d'ouvrir un champ potentiel et de possibilités de manifestation de ce type d'expérience, qui fait que de nombreux êtres humains ont sans savoir. Du fait que ce sont des âmes galactiques qui s'incarnent, eh bien, ils ont des enfants hybrides. Moi, je connais plusieurs de mes amis, nombreux même, je dirais, qui ont des enfants hybrides. Voilà. Voilà, donc. Ah ben, il y aurait une question peut-être qui est en rapport avec ce que tu dirais là, Oui. si je peux me permettre. Avez-vous des informations sur le programme d'hybridation des extraterrestres gris? Oui, alors il y a plusieurs groupes hein, de gris. Alors, loin s'en faut, tous les gris, il y a de nombreuses, si vous voulez, courants de conscience au niveau des gris. La plupart sont des êtres bienveillants. Certains groupes. Ont des consciences qui font qu'ils se tournent vers eux-mêmes, vers la séparation vraiment au sein de leur propre groupe et avec des structures hiérarchiques, etc. Et donc les deux ont des programmes d'hybridation et notamment il y a un groupe de Zeta, à ma connaissance, qui a perdu par exemple certaines capacités physiques et de connexion avec la source, qui en fait en utilisant l'ADN humain, va pouvoir retrouver un chemin évolutionnaire. Justement, c'est aussi ça, bien sûr, c'est la très grande force de l'expérience humaine, c'est le fait que comme il y a une grande mixité à la fois d'êtres et à la fois d'âmes, ça permet de créer vraiment une expérience d'unité qui permet à de nombreux groupes qui le choisissent de reprendre un chemin vers la source et vers la lumière. Et donc, il y a des programmes comme ça qui justement sont liés à certains groupes de gris qui vont leur permettre d'avoir de nouvelles capacités au niveau de leur corps afin de revivre une expérience leur permettant d'être en communion, en connexion avec la source d'amour et de vie. Par contre, il y a d'autres hybridations aussi, d'autres gris qui, eux, cherchent plus à augmenter les capacités de leur propre ADN dans leur objectif de créer des civilisations, mais qui sont séparées à plus ou moins forte intention de la source. Donc voilà. Voilà, donc vous voyez, c'est magnifique, magnifique représentation. Voilà, donc nos familles galactiques, donc Pléiade, Alpha Draconis, Andromède, la galaxie d'Andromède, Vega, l'Alire, Arcturus, Altaïr, le centre galactique, Antares, Alpha Centaure, Zeta Reticuli, Sirius, Orion, et encore plein, plein d'autres êtres des étoiles. Voilà. Quels groupes principaux pourraient-on? Ben Sirius, bien sûr. Ah non, on l'a cité. Sirius, voilà. Donc, il y a une très, très grande présence des êtres des étoiles sur Terre et de différentes parts de la galaxie et des êtres très élevés aussi, notamment ben, ceux qui sont. Du centre de la galaxie, hein, donc, du centre galactique, qui sont justement en lien avec ce qu'on appelle les anciens, donc les races anciennes, les planificateurs de vie, etc. Et même d'Andromède, donc bien sûr, et même, il y a même des êtres qui viennent, qui ont des origines d'autres galaxies encore, voire même, bon, après ça c'est au niveau de l'âme et des plans les plus élevés, bien sûr. On peut venir d'autres univers. Moi, je sais que j'ai des liens avec au-delà de cet univers, dans plusieurs univers.
C'est vraiment ce que je suis déjà allé dans un autre univers par la conscience, même dans plusieurs. Dans plusieurs. Voilà, et donc la Terre est plus qu'aimée, elle est très aimée par tous ces êtres. Et voilà, et je sais que pour la plupart, ils bénissent, ils chérissent cette expérience magnifique qui permet à l'amour et à la lumière de se révéler. Et en cela aussi, eh bien, c'est un grand merci, bien sûr, à notre Terre-Mère, à Terre-Mère Gaïa, qui, de par son immense amour et son immense lumière, permet aussi à cette expérience de se dérouler. Et bien sûr, à notre soleil aussi, notre étoile mère. Donc voilà, encore une fois, je le redis, Gaïa, notre planète mère, est directement liée au centre de la galaxie. C'est un avatar de la galaxie. Et même au-delà, c'est une nouvelle extension, une extension assez récente de l'esprit mère de l'univers. Voilà, c'est vraiment, si vous voulez, le Gaïa provient quasiment directement du créateur et de l'esprit mère de cet univers. Enfin, comme toute vie, en fait, dans l'univers local. Mais c'est voilà, c'est un peu une nouvelle extension, peut-être plus récente que les autres. Voilà, donc là nous avons des Pléiadiens, nous avons des Arcturiens, nous avons des Sirusiens, nous avons encore un autre Pléiadien. Donc vous avez vu que les formes sont très variées, certains ont des cheveux longs, d'autres pas de cheveux. D'autres finalement sont plus ou moins éthérés, plus ou moins voilà, dans différents plans dimensionnels. Donc c'est très très vaste, très très varié. La vie est quasiment infinie. Ah oui, ça c'est vrai, c'est infini. Comment on peut reconnaître les enfants hybrides? Moi j'ai plus connaissance des enfants hybrides qui sont soit dans des vaisseaux ou dans des bases en intra-terre. Sur Terre, il y en a aussi, mais c'est-à-dire qu'ils ont des spécificités en ce sens qu'ils peuvent avoir des visages un peu différents, avec des grands yeux, par exemple. Et ce qu'on peut les reconnaître aussi parfois, en fait, qu'ils ont une très, très, très grande intelligence. C'est-à-dire qu'à 10, à 10 ans, déjà à 10 ans, ils ont un QI de 200, si vous voulez. Et ils peuvent vous donner des informations, que ce soit mathématiques, métaphysiques, sur l'univers. Que vous ne savez pas d'où ils sortent, mais en fait, parce que ce sont déjà des êtres qui ont de très nombreux brins d'ADN qui sont activés. Donc, il y a deux brins d'ADN, on a la mémoire de 12 brins d'ADN, et eux, ils en sont déjà. Donc, les nouveaux enfants, déjà, pour de nombreux, trois brins d'ADN actifs, voire quatre brins d'ADN actifs. Et voilà, les enfants hybrides, c'est un peu de cet ordre-là. Peut-être même plus encore, je ne sais pas. Voilà. Donc, ici, donc, vous avez donc des anciens reptiliens. Ici, vous avez Vega. Ici, je ne sais pas si c'est Pléiade ou Vega. Ici, c'est Andromède. Ici, je ne sais plus. Donc voilà, en tout cas, vous avez différents êtres qui existent. Et vous avez aussi, bien sûr, des êtres qui sont insectoïdes, qui existent. De nombreux aussi sont bien sûr évolutionnaires. Voilà, donc ici vous avez les Arcturiens, donc ici des mantes par exemple. Certains êtres humains ont des mantes religieuses comme guide aussi. Ici vous avez Adronis. Qui est du Sirius, vous avez les Pléiades, ici c'est Sirius ou Pléiades, Sirius, je crois. Voilà. Et ici vous avez des géants, ce sont des géants, des êtres très, très évolués aussi. Voilà, donc ici vous avez la lyre.
Alors, les peuples rouges, hein, aussi, bien sûr, les Pléiades, ils nous aident aussi énormément. Ici, vous avez une Yaël. Donc, eux, ce sont des êtres qui sont porteurs aussi de l'ADN humain. Ici, vous avez les Pléiadiens. Voilà. Donc ça, c'était pour la présentation. Hop. C'est génial, hein? Donc voilà. Alors je pense que là, c'était vraiment magnifique tout ce qu'on a pu voir. Là, si vous voulez, je peux répondre à certaines questions. Et puis après, on peut aller à la déclaration de souveraineté, d'amour et d'unité et de paix. Voilà. Alors, le N ordre M a-t-il un lien avec les espèces évolutives, gris et dragos? Oui, Bonsoir, Nicolai. tout à fait. Effectivement, le nouvel ordre a un lien, hein. Il faut savoir que ces êtres, ils ont des hybrides, dont certains sont à des postes de responsabilité et de pouvoir. Et donc, c'est notamment par ce biais, eh bien, qu'ils ont contribué à maintenir l'humanité. Dans un certain niveau d'enfermement, et notamment avec tous les systèmes liés à l'argent, parce qu'il y a différents clans, hein, dans ce nouvel ordre mondial. Vous avez des clans qui sont plus liés à l'énergie, d'autres qui sont plus liés aux finances, etc. Mais au final, quand vous regardez, bien finalement, vous voyez que vous avez, par exemple, des gris ou des reptiliens qui sont à la tête d'autres groupes qui sont à la tête de ces organisations. Il y a quelqu'un qui me demande pourquoi tout le monde n'a pas accès à ces connaissances, selon Nicolas, bien sûr. Alors, eh bien, ce sont des connaissances qui ont été réprimées, réprouvées. Par de nombreux gouvernements. Il y a de nombreux gouvernements qui ont ou qui ont eu des interactions avec les êtres des étoiles, mais ça n'a jamais été divulgué publiquement. Enfin, il y a différentes raisons, mais d'abord, il y a effectivement, entre guillemets, ce contrôle de l'information en lien avec le système en place et qui justement devient de plus en plus poreux et se dissout progressivement, même assez rapidement pour certains aspects. Donc il y a ça, il y a le fait que justement les dirigeants sont eux-mêmes soit contrôlés, parce que certains dirigeants peuvent être même des clones. Ça peut être des êtres qui sont clonés, donc qui sont contrôlés soit par des intelligences artificielles ou par des êtres non humains, si vous voulez, qui fait que voilà, l'information est filtrée. Et ensuite, du côté des races évolutives, il y a autre chose, il y a le respect du libre arbitre, il y a la loi de la non-intervention, donc c'est-à-dire que si on les appelle pas, si on leur donne pas l'autorisation de venir, eh bien, ils ne peuvent pas s'immiscer plus qu'un certain stade dans ce que nous vivons. Alors, ils nous aident énormément, ils sont là énormément, ils sont là de plus en plus. D'ailleurs, tout à l'heure, je parlerai, j'ai rencontré quatre êtres des étoiles récemment, ils sont venus me saluer, donc deux êtres de Sirius féminine et un être d'Alpha Centaure et un être de Humo. Dans ma propre ville. Donc, ils se montrent de plus en plus, ils sont de plus en plus proches de nous. Et voilà, ce soir, je vous invite, toutes les personnes qui regardaient cette vidéo, eh bien, à donner votre autorisation pour que les frères et sœurs des étoiles puissent se rapprocher de nous, puissent manifester le premier contact et voilà, venir se montrer se présenter à nous. Voilà. Donc moi, bien sûr, de mon côté, ça fait longtemps que j'ai donné cet accord, mais si de votre côté, vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à donner cet accord. Ils en sont très ravis, c'est ce que je ressens actuellement.
Alors, les géants, il y en a dans l'intra-terre. Dans l'intra-terre, vous avez des géants qui font jusqu'à 20 mètres. Vous en avez sur d'autres planètes. Faut savoir que les planètes, elles peuvent être de différentes tailles. Et en fonction de la taille des planètes, eh bien, vous avez des êtres qui sont plus ou moins grands. C'est comme les dragons, si vous avez des dragons qui peuvent être des géants immenses, qui peuvent faire plusieurs pâtés de maison ou plusieurs hauteurs de maison. Et vous en avez qui sont plus petits, d'autant plus qui peuvent changer de forme, ils peuvent s'agrandir ou se rapetisser. Donc voilà. Alors les Vénusiens, oui. Alors les Vénusiens, je les aime également énormément. Il y a également énormément d'êtres vénusiens qui sont incarnés sur Terre et qui sont aussi des starseeds. Vénus sert aussi de planète d'accueil, et notamment Sirius aussi. Donc il y a des âmes, des consciences qui passent par Sirius, puis par Vénus pour après venir s'incarner sur Terre, parce qu'il y a une grande différence énergétique et de lumière entre voilà, le centre de la galaxie, par exemple, et eh bien, ce secteur de la galaxie. Donc, il y a différents chemins qui permettent aux âmes de s'adapter et de venir s'incarner sur Terre. Alors, les Vénusiens, eux, ils sont notamment très présents du côté de Shambhala. Donc, ils ont, pendant les périodes sombres, les périodes où la conscience elle a chuté sur Terre, ils ont toujours maintenu un point de présence, un point d'amour, un point de lumière, un point de connexion avec la source, avec les énergies du Christ sur Terre. Et ils ont beaucoup soutenu aussi le noyau et Mère Terre Gaïa, notamment dans les périodes les plus difficiles et bien sûr de nos jours également. Voilà, donc ce sont des êtres très très lumineux, qui sont très raffinés, sveltes, qui manifestent beaucoup de qualités d'amour et d'intelligence. Alors comment savoir si on est un starseed? Ben, alors c'est simple. Alors vous allez me dire c'est simple. Entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut passer le cap mental. Et moi-même au début, j'ai eu beaucoup de mal à le croire parce que je n'étais pas au courant de tout ça. Et j'ai vécu une vie où j'étais vraiment très terrestre, hein, 3D, avec un boulot normal, une famille, etc., des amis, des sorties. Et puis, progressivement, j'ai été amené à lire des canalisations, j'étais amené à m'intéresser de plus en plus aux êtres des étoiles. Et c'était il y a déjà une grosse dizaine d'années. Et finalement, j'ai commencé à avoir des réponses aux questions que je me posais, des choses personnelles dans les canalisations, donc parce que ma conscience qui s'éveille a été demandeuse et a été captée aussi par ces consciences des êtres des étoiles qui ont accompagné mon éveil. Et finalement, la réponse, elle est en vous, elle est en votre cœur. Donc en fait, on a un chakra, hein, on centre ici, qui est le chakra du cœur. Et si maintenant vous vous mettez dans le calme et dans la paix, par exemple, en prenant de grandes respirations, ça va nous permettre aussi de faire une pause. Donc, vous pouvez vous mettre dans le cœur, vraiment au centre de votre être, en respirant comme ça, tranquillement. Et là, vous allez demander à votre je suis, à votre présence je suis, à votre soi divin, à votre âme, de vous donner la réponse, est-ce que je suis un starseed? Et pour de nombreux d'entre vous, vous allez pouvoir ressentir une grande chaleur, un grand amour qui va se manifester en votre être, au niveau de votre chakra du cœur, vous allez ressentir des présences, des énergies qui vont vous donner la réponse que oui, vous êtes des starseeds. Et votre famille est très heureuse de ces retrouvailles, très heureuse de se présenter à vous. Votre âme est en joie. Il peut y avoir beaucoup d'émotions pour certains d'entre vous. Ça peut être des larmes de joie, ça peut être du rire. Voilà. Et donc, les réponses, elles sont vraiment en votre cœur. Et je vous invite vraiment à chercher ces réponses en vous, tout en laissant de côté tout conditionnement mental. Parce que nous avons été conditionnés aussi depuis des âges fort anciens. Déjà pour avoir certaines croyances. Et c'est en se libérant de toutes ces croyances et en se reliant vraiment
à ce que l'on est en tant qu'être de lumière, en tant qu'âme incarnée, qu'on va pouvoir s'ouvrir à la plénitude de notre être, à rencontrer nos familles des étoiles, à s'aligner à notre soi divin, à notre âme, et à incarner toujours plus de lumière jusqu'à devenir un pilier de lumière, voire un pilier, même un pilier divin, qui va permettre d'ancrer cet amour, cette lumière de la source sur Terre, et donc aider toute vie, aider Mère Gaïa dans le processus ascensionnel. Voilà, donc je propose qu'on fasse la déclaration de souveraineté, si vous êtes, si tu es d'accord, Véronique. Ouais. Alors, voilà, donc je vais partager l'écran. Voilà. Alors, donc cette... peut-être tu peux enlever, si tu veux, Véronique, la question. Voilà. Merci beaucoup. Donc, cette déclaration, c'est en lien avec tout ce que je vous ai dit durant la première partie. Alors, il faut savoir qu'il y a différents groupes qui se sont immiscés dans le système solaire et qui veulent freiner le processus ascensionnel, ou qui, même dans d'autres circonstances plus lointaines encore, ne veulent pas que ça se déroule selon le plan divin établi. Pourquoi ? Parce que, justement, comme on est un pont entre différentes consciences et qu'on permet la guérison à bien des échelles, eh bien, ça enlève, ça gêne, on va dire, certaines consciences qui veulent garder un pouvoir de contrôle sur certains peuples. Or, nous avons aussi à manifester notre souveraineté en tant qu'être humain, ce qui va permettre aussi à de très nombreux autres peuples de manifester aussi, de les aider sur le chemin de leur propre souveraineté. Donc voilà, je vous propose de faire cette déclaration. Donc, déclaration de souveraineté, d'amour, d'unité et de paix pour soi et pour l'humanité. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, cette déclaration va aller un peu loin sur le domaine de vos croyances. Alors, ce n'est pas grave. De toute façon, votre âme et votre conscience va manifester ce qui doit être, hein. Donc, voilà, ce n'est pas grave. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on répète ensemble voilà cette déclaration. Donc, ici et maintenant, je demande et je commande la manifestation parfaite de ma déclaration de souveraineté, d'amour, d'unité et de paix, telle que je le veux, et telle que la source divine le veut, et telle que cela doit être, en alignement parfait avec mon plan divin et avec le plan divin. Bien-aimé sur ce divine, je demande humblement ton soutien indéfectible en manifestation parfaite de cette présente déclaration. Au nom de l'être humain libre et souverain que je suis, au nom de l'être en totalité que je suis, oui. On peut agrandir, parce qu'il y en a, il y en a pas mal qui nous... Voilà, merci. Voilà. Alors, je recommence. Hein. Au nom de l'être humain libre que je suis et de l'être humain souverain que je suis. Au nom de l'être en totalité que je suis. Au nom de l'amour, de la lumière et de la vie que je suis. Je déclare ici et maintenant mon intention d'exprimer ma pleine et totale souveraineté dans la vibration de l'amour, de la paix et de l'unité. Je déclare également, ici et maintenant, mon intention d'aider et d'inspirer toute vie à faire de même autour de moi. Je déclare, ici et maintenant, que je suis issu de la source divine de toute vie. Vous pouvez aussi l'appeler
que je suis issu de Dieu, que je suis issu de la source père-mère, ou comme vous voulez. Je déclare ici et maintenant que je suis la source divine de toute vie incarnée. Je déclare ici et maintenant que la source divine de toute vie est en moi. Et je déclare ici et maintenant que je suis en la source divine de toute vie. Je suis l'amour, je suis la paix, je suis l'unité. Je suis l'amour, je suis la paix, je suis l'unité. Je suis l'amour, je suis la paix et je suis l'unité. Et par mon lien éternel et sacré, avec la source une et trinitaire, par mon libre arbitre humain, souverain, décrété par la source elle-même, par la pleine reconnaissance de qui je suis, de ce que je suis, je me libère ici et maintenant, je me libère définitivement du monde de l'illusion, la Maya, créée par le karma galactique originel, et dont l'instrument est l'implant de la matrix posée en tout être, et dont l'influence cesse maintenant et définitivement de renaître constamment. Je transmute ce qui doit être. Je reconnais toute vie comme égale à moi-même. Car je suis la vie. Christ en moi, je te reconnais, car tu es moi et je suis toi. En cela, je guéris, je bénis, je chéris toute vie en moi et autour de moi. Et j'équilibre tout dans l'amour, la lumière, l'unité et la paix qui est en moi, qui est moi et que je suis. Tout ce qui doit être et je partage parfaitement autour de moi. Ici et maintenant, je suis libre. Et souverain. Ici et maintenant, je suis libre et souverain. Ici et maintenant, je suis libre et souverain. Ici et maintenant, je demande pardon à tous, à toutes et à toute vie pour toute illusion de séparation. Que j'ai créé ou concouru à créer dans mon expérience humaine et au-delà. Ici et maintenant, je me libère et je transmute toutes mes charges et mémoires karmiques limitantes qui m'empêchent, tel le phénix, de m'envoler et de renaître. Ici et maintenant, je me libère et je transmute toutes les énergies d'involution artificielle et d'antivérité présentes en moi et je me libère des énergies dans tous mes autres moi et qui m'affectent dans cette vie. Je demande et je commande également que ma planète bien-aimée Mère Terre Gaïa et notre bien-aimé système Père Solaire, dont je fais partie, soient parfaitement bénis, chéris et indéfectiblement protégés en permanence. Je partage parfaitement cette demande et cette intention à toute vie autour de moi, au sein de Mère Terre Gaïa, du système solaire et au-delà.
Je m'aligne pleinement à la volonté ascensionnelle de Mère Gaïa et de Père Soleil, et de mon âme et de mon esprit divin. Je demande et je commande également à toutes les consciences non humaines qui manifestent des intentions et des actions d'enfermement, de prédation, de guerre, de destruction, d'antivérité, d'agenda de transhumanisme et d'intelligence artificielle, d'implantation, de distorsion de Mère Terre Gaïa et du système solaire, de quitter Mère Terre Gaïa et le système solaire immédiatement. Je remercie ces consciences d'avoir participé au jeu évolutionnaire terrestre. Je suis désolé. Je vous demande pardon. Je vous aime. Je me libère et je vous libère maintenant. Je demande et j'impulse avec très forte intention également, que tous les êtres ou âmes enfermés, hommes, femmes, enfants, humains et non humains, dans des bases souterraines terrestres et solaires ou dans des vaisseaux, soient libérés conformément à leur propre volonté et à la volonté des êtres concernés. Je demande et je commande tout l'amour et la lumière nécessaires pour que ces processus rapides s'effectuent dans la vibration de la paix, de l'harmonie et de l'unité qui doit être et que je veux. Je demande et je commande tout l'amour et la lumière nécessaires pour que ces processus rapides s'effectuent dans la vibration de la paix, de l'harmonie, de l'unité qui doit être et que je veux. Je demande et je commande tout l'amour et la lumière nécessaires pour que ces processus rapides s'effectuent dans la vibration de la paix, de l'harmonie, de l'unité qui doit être et que je veux. Ah, c'est bientôt fini. Je demande et je commande que ma déclaration présente soit parfaitement partagée à mes proches et je leur propose de faire de même. Donc ça, ça se fait dans l'énergie, hein. Ça se fait par la conscience. Et je demande et je commande que cette déclaration de souveraineté, d'amour, d'unité et de paix pour moi et l'humanité et toute vie soit enregistrée dans les annales akashiques de Mère Terre Gaïa afin d'inspirer mes frères et sœurs humains à manifester leur propre déclaration. Donc ça, c'est très important. Ça va permettre d'ancrer notre déclaration de souveraineté, d'amour et de paix et d'unité au sein de Mère Terre Gaïa. À présent, je donne louange et gratitude, bien-aimée source divine, Gaïa, Soleil, et à toute vie, et à tout ce que je suis. Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. C'est accompli, c'est accompli, c'est accompli. Merci, merci, merci. Merci Nicolas, c'est vraiment très bien. Il y aura la possibilité de l'avoir ce texte parce qu'il y en a beaucoup qui le demandent. Comment ils pourront faire pour l'avoir si toutefois oui. Avec plaisir, ce que je propose, c'est que je le mets sur un serveur. Et je t'envoie le lien, et comme ça, si tu veux, tu pourras mettre le lien sous la vidéo. Sous la vidéo, d'accord. Ouais. On fait comme ça. Alors voilà, je t'envoie ça, et comme ça, tu pourras mettre le lien sous la vidéo. Ok, merci.
Merci beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez encore quelques questions, si Véronique, Alors, oui, tu me Brigitte qui permets. demande qui a écrit ce texte. Alors c'est moi, c'est moi. Voilà. Ah, c'est moi en relation aussi, bien sûr, avec les êtres d'amour et de lumière. Et avec mon soi divin. Alors voilà, c'est vraiment quelque chose de très important qu'on a fait parce que vraiment, ça va permettre vraiment de merveilleuses choses de se réaliser, vraiment. Oui, puis je vois que les gens sont vraiment contents. Hein. Il y a beaucoup Voilà. de remerciements, etc. Et c'est vrai que ce texte, il est très apaisant. Hein. On te demande de. Alors, on doit le répéter souvent. Moi, je dirais le répéter autant de fois qu'on a envie, non? Alors, pour moi, le faire une seule fois en conscience, c'est suffisant. Mais vraiment en le faisant en pleine conscience, vraiment en conscientisant les mots. Après, si c'est, ça va être vraiment libre à vous, à votre besoin personnel. Si vous le faites, par exemple, une fois et que vous ressentez que vous devez aller plus loin pour vous libérer davantage, vous pouvez n'hésiter pas à le refaire pour justement vous libérer davantage et transmuter plus de choses et aller plus loin dans la démarche. Il y a quelque chose que je voulais partager aussi. Tu sais, tout à l'heure, là, quand on s'est tranquillisé et puis qu'on veut faire des choses avec le cœur, en l'occurrence, là, prendre contact avec ces peuples, eh bien, moi, j'ai vu le mien de peuple. Je suis bien contente. Wow. Et comme on en parlait tout à l'heure, enfin, ce matin, hein, eh bien, j'ai pas eu longtemps à faire. Hein, ils sont arrivés, là. Voilà. Wow, Alors, donc ça je c'est crois. toi tu as vu lesquels alors? Quels êtres? Les Arcturiens. Wow, les Arcturiens bleus, hein, tu Les m'as bleus, dit. voilà, oui. Wow. Donc j'ai eu l'opportunité de savoir que j'étais comme ça lors d'une sortie de corps. D'accord. Ah oui. Voilà. Eh bien, effectivement, alors chacun d'entre nous a effectivement a des liens privilégiés avec des peuples galactiques. Et après, nous avons dans notre plénitude de ce que l'on est en tant que conscience, nous avons différentes incarnations, que ce soit sur Terre, bien sûr, ou au sein d'autres peuples. Et il faut savoir que plus on va vers les plans de lumière, le temps se manifeste différemment, hein. Donc ici, nous vivons au niveau de notre conscience, nous percevons le temps avec un avant, un pendant, un après. Mais en fait, il n'y a que l'instant présent qui existe. Et quand vous allez dans certains plans d'une lumière, en fait, le temps, il est spiralant. Donc le temps, c'est une spirale qui se recourbe sur elle-même. Donc si vous voulez, c'est un torus. Et ça, c'est vraiment la force du temps, c'est un torus, hein. Donc ça fait que finalement, en se positionnant au centre, eh bien, au centre, on a accès à différents points de focalisation, enfin différents aspects du temps. Alors, Alors oui. voilà. Attendez, je crois que je suis un peu flou là. Bon, y aura-t-il Voilà. des contacts physiques d'ici quelques années aux yeux de tous? Merci, Nicolas. Oui, alors justement, ben ça, merci beaucoup. Alors, ça va me permettre de parler. Alors, moi, j'en ai déjà eu, j'ai eu la chance. Merci, merci beaucoup. Alors, tout ce que je vis, moi, on a tous le même potentiel de le vivre. Alors, voilà, je ne suis pas plus ou moins que qui que ce soit, je le précise, bien entendu. Simplement, voilà, parfois, il y a des êtres qui sont en avance sur d'autres pour montrer la voie et tout ça. Et donc, bien moi, en ce qui me concerne, donc j'ai participé avec les êtres de lumière à une libération justement d'un groupe qui était enfermé, qui avait des otages, des êtres qui étaient enfermés et même des âmes aussi. Et pour me remercier, en fait, ce sont deux êtres, deux jeunes de Sirius qui sont venus, des Siriusiennes. Qui, en fait, j'étais le long de la Seine à Paris. Et il faut savoir que le matin, j'avais fait du vélo avec ma meilleure amie, avec une amie. Et on s'était amusé dans les descentes, vous voyez, à pas tenir les mains comme ça, à faire comme ça, et pour s'amuser dans les descentes, un peu comme, vous voyez, dans Titanic, quand ils se mettent devant et tout ça. On avait fait ça, on s'est beaucoup amusé.
Et donc, moi, j'étais tout seul à un banc, j'étais au téléphone parce qu'ils choisissent toujours le moment parfait, si vous voulez, pour se présenter à vous. S'il doit y avoir un contact physique, c'est-à-dire que vous devez échanger physiquement, ils vont le rendre possible. Si ça doit être juste un contact visuel, un contact énergétique et d'amour, ils vont faire en sorte que voilà, vous n'ayez pas le temps de réagir et que vous ne puissiez pas, entre guillemets, leur aller vers eux ou plus, quoi. Donc, leur courir après. Donc voilà. Donc j'étais assis comme ça, j'étais au téléphone en train d'écouter un message de mon ami. Et je vois, donc on me fait tourner la tête parce qu'ils peuvent vous induire aussi mentalement des choses. Hein. Donc c'est un travail commun, donc ils sont à plusieurs. Il y a un extraterrestre, un être des étoiles qui se connecte à vous et qui dirige aussi l'expérience et donc d'autres êtres qui se manifestent. Donc j'étais en train d'écouter et je vois au loin deux êtres des étoiles, des jeunes, féminines, deux féminines, qui s'approchent à vélo et j'étais concentré en même temps sur mon message. Donc vous savez que le cerveau humain, il a parfois du mal à faire deux choses en même temps. Hein. Et je les vois d'un seul coup. Elle passe devant moi comme ça, elle écarte les bras et elle me sourit comme ça et elle passe devant moi. Alors, et puis moi, j'étais comme ça. Alors, j'ai eu l'impulsion avec un être de Sirius qui m'a impulsé, une être de Sirius qui m'a impulsé de leur faire coucou, comme ça. Mais j'étais vraiment concentré sur mon message et vraiment un grand sourire, elle passe devant moi et après elle s'éloigne et elles refont ça comme ça, en vélo. Et donc, sur le coup, voilà, ça a un peu fatigué. J'ai dit, bah, tiens, c'est bizarre, elles font comme nous. Et qui sait, je sentais une étrangeté et je sentais aussi, comme quand elles s'éloignaient, qu'elles continuaient à me regarder. C'est-à-dire que, bien qu'en faisant ça, qu'en étant de dos, comme si elles s'étaient tournées et qu'elles continuaient à me regarder. Et tout de suite après, bah, comme je suis en communion télépathique avec les frères et sœurs, ils m'ont dit, hé, hey, t'as pas remarqué quelque chose, là, entre guillemets, c'est pas mot pour mot, mais. Ils m'ont dit, ben voilà, c'était les deux êtres que tu as concouru à libérer du vaisseau. Alors, je dis, oh, c'est pas vrai, incroyable. Et alors là, j'étais tout content et tout. Et alors vraiment, on n'aurait pas forcément pu les distinguer d'êtres humains. Elles ressemblaient vraiment à des êtres humains, à peu près une taille. Bon, c'était des jeunes, hein, donc elles n'étaient pas adultes. Environ 1,50 m, je dirais 1,60 m peut-être. Elles étaient habillées tout à fait comme auraient pu être des jeunes femmes, hein, si vous voulez. Donc ça, c'est ma première rencontre. Et la deuxième rencontre, ça s'est passé donc mardi soir dernier, donc c'est tout récent. Et c'était à la fête de la musique. Alors moi, personnellement, je me suis toujours dit, jamais je pourrais rencontrer des êtres, des étoiles, dans un endroit où il y a tellement de foule. Eh bien, en fait, si ils arrivent à s'immiscer dans la foule avec des protections énergétiques et des technologies, parce que comme ils sont très sensibles au niveau des pensées, des énergies, ça peut les perturber, mais ils peuvent avoir des protections énergétiques et tout. Et il faut savoir que moi, j'ai régulièrement un peu d'argent sur moi pour donner, voilà, aux mendiants quand je passe dans la rue, quand il y a un mendiant qui me demande, eh bien, j'ai toujours quelque chose en général souvent pour lui. Et là, donc, j'étais en train de marcher, j'ai eu l'impulsion d'aller d'un endroit à un autre de la fête de la musique, et je marche et je vois un être un peu curieux qui fait semblant qui semblait chercher quelque chose au sol et puis qui me regarde comme ça. Alors moi, j'ai eu l'impulsion, ben, de dire bonjour. Il était très attirant. C'était un être vraiment très, très attirant. Et je fais bonjour. Et puis après, il me fait signe de venir comme ça. Alors je vais vers lui. Il était grand, environ 1,88 m, 1,90 m. Une légère barbe, les cheveux très longs. Un peu comme on a vu dans certaines représentations. Donc il était habillé avec, il me semble, des chaussures un peu tout à fait normales, humaines. Il me semble que c'était en toile, avec un pantalon plutôt marron, une chemise aussi tout à fait normale. Il me semble que sa chemise allait couvrait jusqu'à ses bras. Et il me fait, s'il vous plaît, est-ce que vous auriez quelque chose pour moi? Et alors je dis oui, pas de souci. Et puis il me restait juste 5 euros sur moi. Alors je prends 5 euros, je lui donne, et puis bon, j'allais continuer mon chemin. Et alors il me dit, ah, merci, merci. Je lui dis, bon, ben oui, mais c'est normal. Et là, d'un seul coup, les guides, ils m'ont fait regarder vraiment les yeux dans les yeux. Et là, j'ai ressenti que c'était un être d'Alpha Centaure.
avec beaucoup d'humour, beaucoup de bienveillance. Alors, ils me regardent et donc, comme vous savez, ils ont beaucoup, beaucoup d'humour. Et ils savent que je suis très en connexion, voilà, avec Dieu, la source et les énergies, tout ça. Et ils me regardent et disent, oh, merci, merci, vous êtes un dieu. Vous êtes Dieu, vous êtes un dieu. C'est la première fois que je mange aujourd'hui. Et c'est que je fais un repas par jour. En général, je ne fais qu'un repas par jour. Et donc, je dis, oh, ben oui, ben, c'est normal. Et après, donc, je continue mon chemin. Et puis, ça m'intriguait. Je me dis, mais c'est vraiment bizarre, quand même, cet être qui semble tellement me connaître, qui voilà, me dit merci, merci, tu es un dieu, etc. Et puis, finalement, pareil, avec les guides, petit à petit, les énergies, j'ai capté que les guides, ils me l'avaient fait regarder les yeux dans les yeux parce que c'était un être des étoiles. Et ce n'est pas fini parce qu'à un autre endroit où j'avais déjà travaillé, qui la banque P, donc je ne vais pas la citer totalement, mais P, vous savez peut-être ce que ça veut dire, eh bien, c'était un endroit où il y a très longtemps que j'avais travaillé. Donc je suis passé une fois, il n'y avait personne, il n'y avait pas de mendiant. Et là, la deuxième fois, je passe de nouveau à cet endroit. Et là, il y avait un mendiant. Et il avait un bol, mais comme j'ai un bol chez moi, mais sans argent dedans. Et donc, je vois et j'approche. Et il me regarde comme ça. Et il me regarde les yeux dans les yeux. Et après, il rebaisse la tête. Et j'ai eu l'impulsion que j'avais plus d'argent sur moi parce que j'avais donné l'argent au premier être, et je lui dis, bah tiens, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais retirer de l'argent pour lui donner ou quoi? Je sais pas. Et puis après, bon, j'ai donné en pensée, donc je lui ai envoyé des belles pensées d'abondance et tout. Et il m'a été dit après, bah, par les guides, et ça m'a été confirmé par deux médiums différents, deux êtres qui sont en connexion, que cet être aussi-là, c'était un humite de la planète Humo. Donc il nous ressemble vraiment beaucoup, comme quasiment deux gouttes d'eau. Et ce n'est pas la première fois que je rencontre un humo, c'est la deuxième fois. Et vraiment, vous ne pouvez pas faire la différence. S'ils ne vous font pas ressentir eux-mêmes énergétiquement, ou que vous ne ressentez pas les énergies, vous ne pouvez pas faire la différence avec un être humain. Et donc, ma fille, qui elle est Starseed, et Walking aussi, et en connexion avec les êtres des étoiles, m'a dit oui, je te confirme. Et j'ai eu confirmation aussi avec une autre médium. Il m'a dit oui, je te confirme les deux. Ce sont c'était des êtres des étoiles qui sont venus te saluer. Donc voilà, moi-même j'ai pu avoir ces contacts physiques. Alors malheureusement, en tout cas, ça devait être ainsi. C'était voilà, juste des interactions comme ça rapides. Mais par contre, il faut savoir qu'on va aller progressivement vers de plus en plus de contacts ouverts. Il y a déjà de nombreux êtres qui, dans des voyages astraux ou dans des voyages, vont dans des vaisseaux, vont dans des bases souterraines. Donc, il y a de nombreuses choses comme ça qui se réalisent et ça va vraiment crescendo. Et le fait que, j'imagine, nombre d'entre vous, par exemple, ce soir, ont donné leur accord pour les premiers contacts, et ben, ça va encore accélérer, les choses. Voilà. Oui. Moi, ça me fait plaisir d'entendre ça parce que c'est souvent que je demande ou que je dis aussi, changez votre façon de voir le monde. Alors moi, je m'y exerce sans arrêt. Quand je vais promener, quand je vais faire des courses, etc., eh bien, je me rends compte de plus en plus que c'est un film que je vois devant moi et que je ne fais pas partie, que je suis sortie, tu vois, de cette scène et que je suis le spectateur et que je regarde. Et quand on est dans des situations comme celle-là, je crois qu'on a plus de chances de voir qui est un extraterrestre ou un galactique ou que sais-je, que si on continue dans nos croyances bien ancrées. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Oui, tout à fait. C'est Hein? Voilà. en fait, ouvrez-vous au champ des possibles, au champ des possibilités. Voilà, encore une fois, ça n'arrive pas qu'à moi non plus. Il y a d'autres êtres qui ont déjà rencontré des êtres des étoiles. De nombreux en parlent. Il y a de plus en plus de personnes qui en parlent. C'est vraiment accessible à tout le monde à partir du moment où on ouvre son cœur. À partir du moment où on fait un travail aussi sur soi qui consiste à se guérir, à guérir nos mémoires, à guérir notre mental, hein, notre ego, parce qu'on a aussi beaucoup de croyances, on a des croyances limitantes, on a des choses qui nous ont été inculquées à l'école et qui sont tout à fait fausses.
On a aussi les choses que nous ont inculquées nos parents et qui sont aussi limitantes parfois, souvent même. Et donc, à partir du moment où on fait ce travail émotionnel aussi, ce travail de guérison intérieure, et où soi-même, on devient de plus en plus lumineux, eh bien alors on va de plus en plus ouvrir le champ des possibilités pour, si cela est juste pour notre âme et si ça fait partie de notre chemin de vie, avoir ces contacts de façon privilégiée, sachant que, bien entendu, tôt ou tard, ce sera généralisé de toute façon. Et donc, est-ce qu'il faut être un érudit sur le sujet pour les reconnaître? Pas forcément, c'est-à-dire que c'est vraiment eux qui ils ont la capacité mentale de vous communiquer en télépathie et de vous faire ressentir de l'amour au niveau de votre être et de votre âme. Et quand on les voit, ça peut être souvent un sentiment de une grande joie, une exaltation. Ça peut être comme un retour à la maison aussi. Parce que de nombreuses âmes, justement, sont venues des étoiles pour s'incarner dans cette période-là. Et c'est vraiment une reconnaissance directe. C'est comme si parfois ça fait tilt, vous voyez? Et c'est waouh! C'est comme si on avait toujours su, et parce que c'est direct, c'est de cœur à cœur, en fait. Et de toute façon, c'est notre soi supérieur, notre soi divin, et eux qui vont manifester l'expérience. Donc, nous, ce qu'on a à faire de notre côté, c'est travailler sur nous pour élever notre vibration, notre fréquence, sortir des basses fréquences et de tout ce qui est jugement et tout ce qui est limitant. Et après, si ça doit se faire, si voilà, on ouvre la porte pour que ça se fasse, si ça doit se faire, cela se fait. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a dit il faudrait remonter le chat pour voir les questions. Je suis désolée, je ne peux pas le faire. Parce que je le remonte depuis tout à l'heure. C'est inlassable et après ça le bloque. Donc je ne le fais plus. Pardon. Hein. Voilà, tout à l'heure, j'étais concentrée, j'écoutais le texte, alors bon, j'ai laissé passer. Hein. Il y a Oui. quelqu'un qui voulait savoir sur je ne sais pas quoi, sur les EMI. Alors excusez-moi, mais Ah, c'est sans les walking, j'avais vu les walking aussi. Les walk-in, je ne les ai pas vus passer, ou alors si, peut-être. Donc, si vous voulez la reposer, la question, là, pardon, hein, je la Bien, reprendrai. Miguel avait posé la question sur les walking, parce que c'est vrai que j'ai parlé des walking. Alors, juste, voilà, si tu m'autorises, Véronique, bien Oui, les. bien sûr, bien sûr. Eh bien, je te remercie. Alors, les Walk-in, c'est moi-même, je suis un Walk-in, donc c'est-à-dire un Walk-in, c'est une âme qui rentre dans le corps, donc qui s'incarne dans le corps humain, et une autre âme qui, soit qui en sort, soit qui se met en retrait du corps, sachant que la liaison de l'âme, elle se fait à différents endroits, notamment au niveau entre la glande pituitaire et la glande pinéale. Et également dans le cœur aussi, hein, il y a plusieurs endroits où l'âme elle vient incarner son corps humain et elle vient voilà mettre ses fréquences jusque dans la chair. Et donc il peut y avoir des contrats entre deux âmes pour que justement une âme soit entre et l'autre âme se délie du corps, donc c'est-à-dire coupe le cordon d'argent qui est la force de vie qui permet au corps d'être vivant. Ou alors se met en retrait et l'autre âme prend le dessus, donc ça peut arriver hein, aussi. Ça peut être pour un temps et au bout d'un moment l'autre peut se décrocher. Donc voilà, ce sont des contrats d'âme spécifiques. Mais il y a beaucoup d'êtres sur Terre. Moi, dans mon entourage, c'est hallucinant. Je connais, enfin, je veux dire, au niveau des starseeds que je connais, je veux dire, de très très nombreux sont des walking. Vraiment de très nombreux parce que parfois c'est nécessaire pour réorienter par exemple le chemin de vie d'une personne pour avoir des capacités supplémentaires au niveau de son ADN ou une expertise supplémentaire au niveau de certaines choses qui doivent être manifestées par rapport justement au plan de l'ascension. Donc il y a de très très nombreux walk-in sur Terre et en général on reconnaît les walk-in, on se reconnaît soi-même quand tout d'un coup on change du tout au tout, c'est-à-dire d'un seul coup, par exemple, on aime telle musique ou telle chose, tels amis, puis d'un seul coup, ça ne nous intéresse plus du tout, et on a tout à fait d'autres passions, on s'intéresse tout à fait à autre chose. Et donc, quand on change rapidement comme ça, et qu'on si,
On peut aller en soi, ressentir ça. Il est possible qu'on soit requis. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la planète Vulcain et ses habitants? Alors, je suis désolé, je connais Connais pas. pas. Je peux, non, je connais pas. Par contre, moi, ça me fait penser, bien sûr, Vulcain à Star Trek, hein. Alors, il faut savoir que il existe des êtres, presque ce que je sais, qui ont cette apparence un petit peu justement de Spock, hein, parce qu'il faut savoir aussi que de nombreux films comme Star Trek, Star Wars et de Premier Contact, etc., ces films-là, ce sont des films qui aussi préparent l'humanité à la divulgation et la présence des étoiles sur Terre. Il y a aussi des séries, différentes séries La qui porte des existent. étoiles, la porte des étoiles, Voilà, hein? Stargate Target, Atlantis, voilà, Stargate Atlantis, parce que les portes des étoiles existent réellement, etc. oui. Donc, il faut savoir que oui, il existe des êtres qui ont ces longues oreilles, Oui, etc. Et il absolument. existe aussi des peuples elfes qui sont Oui. des êtres vraiment merveilleux, magnifiques, très très beaux, très purs, et qui ont ces oreilles-là aussi. Et chacun, certains êtres peuvent avoir différents saluts. Hein, pouvait avoir les avions qui font certaines salutations, donc chacun a sa signification et pouvait avoir aussi ça, il me semble. Chaque être a différentes salutations qui a une signification spécifique liée à leur peuple. Alors, tout à l'heure, j'ai cru comprendre lors d'une EMI. Alors, je pense que je me souviens plus de la question, mais je pense que ça doit être ça. Est-ce que lors d'une EMI, si on rencontre des êtres célestes, est-ce que ce sont des galactiques? Je pense que c'est ce qu'elle voulait demander la personne. Donc une expérience de mort imminente, oui. Oui. Alors oui, tout à fait. Oui, ce sont des êtres de lumière. J'ai par exemple j'ai un ami qui a eu une expérience de mort imminente et par après, moi j'ai rencontré des êtres qui étaient liés à lui, qui étaient notamment du côté des Pléiades. Effectivement, donc faut savoir que les êtres de lumière. Plus on évolue dans la lumière, plus on a des responsabilités sur l'encadrement de la vie et de l'évolution des êtres qui sont dans des densités plus denses et plus faibles. Donc ça veut dire que vous avez des gardiens des portails de lumière, vous avez des gardiens des routes stellaires, vous avez d'innombrables groupes et différentes familles d'êtres de lumière, et notamment vous avez les maîtres de la réincarnation, etc. Qui gère en fait le plan de l'ascension et notamment certaines âmes ne vont pas rester liées à la Terre, mais vont ensuite poursuivre leur évolution quand il y aura eu donc l'ascension et poursuivre leur évolution au sein de d'autres sphères planétaires. Et donc il y a des êtres de lumière qui gèrent tout ça. Alors, que faire lorsque l'on doute, un doute survient sur la bienveillance de sa famille galactique d'origine? Alors, c'est un processus d'apprentissage. Toute levée de doute se fait vraiment par le cœur. C'est-à-dire que c'est notre cœur et notre boussole, notre cœur et notre centre, notre cœur et notre vérité. Et c'est à travers le cœur qu'on va pouvoir accueillir en nous et aller chercher notre vérité. Alors, il se peut très bien que comme nous sommes des êtres en fait, qui avons différentes incarnations, sur différents plans, et il se peut très bien qu'une part de nous ait choisi aussi des expériences on va dire, d'illusion de séparation de la source. À ce moment-là, c'est pas grave. Nous, en tant qu'être humain, on a cette capacité de se connecter à la source. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir, si on est dans ce groupe-là, qu'on a une part de nous qui est dans ces distorsions, on va pouvoir nous se connecter à la source, s'aligner avec le Christ en nous et aussi partager notre lumière, notre amour, même pour certains. Alors bien sûr, quand on atteint un certain stade évolutionnaire, hein, mais le mieux c'est de se faire accompagner, si vous voulez, au début, hein, surtout quand on ne connaît pas, il faut se faire accompagner. Mais quand on atteint un certain stade d'autonomie, on va pouvoir nous-mêmes prodiguer des soins à ces parts de nous.
pour les aider à se rééquilibrer et à aller vers la lumière. Et il faut savoir que, comme tout est multidimensionnel, quand nous, en tant qu'être humain, on se guérit, eh bien, on va aider les parts de nous qui sont, entre guillemets, dans des lignes de temps passées ou du passé antérieur ou du futur antérieur. On va les aider dans leur évolution, on va les aider dans leur conscience et on va aussi aider les parts de nous futures ou les potentiels, les probables futurs à eux-mêmes s'élever, ascensionner dans leur conscience. Donc, tout est vraiment lié. C'est un peu, si vous voulez, comme il y a comme un fil d'Ariane, un chemin de lumière et d'amour qui nous lie tous en unité, qui fait qu'on est tous sur ce chemin, pour ceux qui acceptent, bien sûr, ceux qui le choisissent. Parce que, comme on a chacun le libre arbitre, eh bien, il y a même y compris, ça peut être des parts de nous qui peuvent vouloir rester aussi à continuer, à évoluer dans des circonstances, des expériences de l'ombre-lumière. Mais ça appartient au choix de l'être, en tout cas, parce que voilà, chacun est souverain aussi. Alors, bonsoir, Nicolas. Peux-tu nous parler de la constellation de Cassiopée et de son Ah, peuple? ah Merci. oui, mais je peux parce que j'ai un lien d'amour spécifique avec Cassiopée. Notamment, j'ai eu une incarnation cassiopéenne avant d'être Walk-in en 2014. Eh bien, mon instance d'âme d'alors était liée aux Cassiopéens. Donc, les Cassiopéens sont des êtres qui ont une grande lumière, qui ont un grand désir, comme beaucoup d'autres, à aussi aider l'humanité. Et ils ont perçu qu'il y avait besoin d'aide dans ce secteur. Donc, ils sont venus ici avec d'autres êtres de lumière, avec leur vaisseau de lumière. Ce sont des maîtres cristallins. Ils participent aussi à des œuvres de guérison. Et ils ont des starseeds qui sont incarnés aussi. Ça peut être des incarnations ponctuelles ou de long cours aussi. Et donc voilà, ce sont des êtres de lumière. Après, comme dit, il n'y a pas seulement un type de Cassiopée, hein. Il y a plusieurs types de Cassiopéens, différents êtres de Cassiopéens qui existent. C'est très vaste. Il y a même des Cassiopéens qui ont été rencontrés par les frères et sœurs des programmes spatiaux secrets, notamment Randy Kramer en parle, et ils ont pu avoir des enfants avec eux. Il existe des Cassiopéens qui ont une compatibilité génétique et morphogénique, on me dit. Voilà, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Morphologique aussi, pour en fait avoir des enfants dans le cadre d'une union sacrée. Alors, qu'est-ce qu'une vieille âme? Alors, on va dire, les âmes, on peut dire qu'il y a des nouvelles instances d'âmes qui sont créées. Donc, il y a une âme, on va dire, ou un groupe d'âmes qui peut créer de nouvelles instances d'âmes qui est un peu comme une extension d'elle-même et qui est un peu comme un support vierge, si vous voulez, un réceptacle d'amour qui va permettre d'engranger différentes expériences. À ce moment-là, cette âme, elle va choisir un chemin de vie qui va lui permettre d'expérimenter. Bien sur Terre, il y a des âmes qui ont eu de multiples incarnations sur Terre, qui en a eu des dizaines et des dizaines, selon différentes périodes. Et à ce moment-là, on les appelle les anciennes âmes terrestres, parce qu'elles ont vraiment éprouvé, vécu l'expérience humaine depuis des éons. Donc ça peut être une ancienne âme humaine. En élargissant le concept, il y a des âmes galactiques qui sont des très anciennes âmes, des très vieilles âmes qui viennent de cette galaxie ou même d'ailleurs, qui peuvent manifester des extensions d'elles pour s'incarner sur Terre. Alors, il faut savoir qu'une âme d'un être de lumière, par exemple de la 7e, 8e dimension, etc., ne va pas pouvoir s'incarner complètement dans le temple humain parce que c'est trop dense, notre corps n'a pas la capacité à, et même la matrice et l'hologramme dans lequel nous vivons, comme tu disais, dans une sorte de film, hein, n'a pas vraiment la possibilité d'accueillir toute cette âme. Donc,
ça peut être juste une partie de l'âme qui est, mais directement quand même en lien avec cette âme des hauts plans de lumière, qui va s'incarner. Et à ce moment-là, l'être des étoiles va choisir quelle fréquence il va amener sur Terre, il va choisir quel aspect de lui il va mettre en avant pour pouvoir se manifester en tant qu'être humain. Et donc, à ce moment-là, on parle de vieille âme, de très vieille âme, sur le plan des étoiles, et qui prennent l'incarnation humaine. Ah, c'est intéressant tout ça. Est-ce que tu connais le programme 10 ans et retour? Alors, c'est 20 ans et retour. Ah, c'est 20 ans. Bon. Alors, C'est c'est 20 ans. 20 ans et retour. Donc, oui, en fait, c'est un programme lié au programme Espace Secret où, eh bien, par exemple, quand vous avez un certain âge, vous êtes téléporté dans les vaisseaux. Et là, vous faites donc votre mission dans les programmes Espace Secret. On vous signe un engagement pour 20 ans et vous menez différentes opérations, soit dans le système solaire ou hors du système solaire. Et une fois que vous avez fini ces 20 ans d'expérience, de service, ben, vous revenez soit vous signez pour 20 ans supplémentaires, à ce moment-là, ça peut faire 40 ans. Sinon, vous revenez et ensuite, il y a un processus de régression d'âge qui est réalisé par des processus technologiques, chimiques. Et maintenant énergétiques, donc ils s'améliorent constamment, forcément, parce qu'ils sont en connexion avec les êtres des étoiles, donc leur technologie est de plus en plus avancée. Il y a une régression d'âge qui est faite, et on vous retéléporte ensuite à l'âge que vous aviez au moment, juste un petit peu après, où vous avez été abducté. Vous avez été extrait de la Terre, en fait. Donc ça fait que sur le plan terrestre, eh bien, il vous manque peut-être une demi-heure ou une heure dans la nuit, mais en fait, cette heure-là, comme ça se déroule sur d'autres plans et sur d'autres dans d'autres lignes temporelles, eh bien, ça représente 20 ans. Et ensuite, vous régressez en âge et vous revenez. Les Régis, zéro négatif, est-ce que nous sommes incarnés ou pas? Merci. O négatif, pas zéro, pardon. Je suis fatiguée. Alors effectivement, je crois que c'est le rhésus O négatif. Alors, il y a certaines prédominances génétiques, notamment qui ont été amenées par les êtres des étoiles, notamment les yeux très bleus. Je crois que c'est ce rhésus-là aussi, le rhésus négatif, qui fait que les personnes qui ont ce rhésus-là, ils ont une proportion d'ADN non humain, enfin, une proportion d'ADN extraterrestre plus élevée que les autres, qui fait qu'ils ont ce rhésus-là, effectivement. Donc, ça veut simplement dire que voilà, dans votre ADN, eh bien, vous avez peut-être plus de gènes des étoiles que d'autres, tout simplement. D'accord. Une dernière question. Alors, je vois trouble. C'est fou ça, parce que c'est très très blanc. Alors, t'es au bout de 2 heures, mon Dieu. Alors, je vais prendre ça. J'ai pas lu en fait. Hein. Avez-vous une ou plusieurs missions bien précises sur la planète Terre? Donc, je pense Alors, que c'est ben, toi, Nicolas. Quel alors état? moi, oui, eh ben, tout simplement, ben, c'est de, voilà, de vous mettre en contact avec les êtres des étoiles et de faire part de mon expérience, de la partager de façon voilà, tout à fait, à dire, normale. Encore une fois, bon, voilà, je le précise aussi, je précise tout le temps dans mes vidéos. Moi, je témoigne juste de mon expérience personnelle. Après, chacun, bien sûr, est libre de prendre dans mon expérience ce qu'il veut ou pas. Mais en tout cas, moi, mon rôle, c'est vraiment d'apporter ce témoignage de la présence des êtres des étoiles, aussi bien au sein du système solaire, mais également en intra-terre, parce que les êtres de l'intra-terre sont également, qui sont aussi en lien avec les êtres des étoiles à différentes époques, eh bien, vont aussi avoir un rôle très important dans les premiers contacts, parce qu'il ne va pas y avoir que les êtres des étoiles qui vont venir des étoiles sur Terre, mais il va également avoir les êtres de l'intra-terre qui vont revenir à la surface. Ah, d'accord. Bon, celle-là, c'est la dernière de question. Il y a un russe qui a disparu. Effectivement, j'en ai entendu parler de cette histoire. À ses 25 ans, il a réapparu à ses 70. Et il ne sait pas où il était. Alors, d'après toi, est-ce que tu as entendu parler de cette histoire-là? Elle est ressortie il n'y a pas très longtemps. Je ne sais plus quel média en a parlé. Non, ce n'est pas un média. C'est une émission qui passe sur le samedi soir. Si quelqu'un peut m'aider, là.
C'est tous les samedis soir que passe cette émission. Alors, je ne sais pas, Ah, mais voilà. alors toujours est-il que oui, alors il a très bien pu effectivement avoir expérimenté. Je ne connais pas ce cas précis, hein, mais en tout cas, je peux dire qu'on peut tout à fait, certains êtres, même d'ailleurs, l'ont fait, des militaires, ils sont allés évoluer au sein de planètes autres que la Terre humaine pour une expérience que la Terre. Et ensuite, je ne sais plus s'ils sont revenus ou pas, mais en tout cas, cette histoire est revenue, comme quoi il y a des êtres humains qui parfois vont sur d'autres planètes pour voir comment vivre d'autres peuples et après peuvent revenir. Mais il faut savoir aussi que les êtres des étoiles peuvent nous effacer des parties de mémoire. Oui. Donc, par exemple, lors des abductions, donc quand on se fait enlever, eh bien, ils peuvent nous enlever en fait une partie de notre mémoire. Voilà. Bon, eh ben, écoute, Nicolas, je pense que c'était la dernière question. Ben, je te remercie infiniment, on a passé un bon moment. J'espère que, je Merci. pense que tout le monde est bien content. Alors, ce que l'on fera tout à l'heure, sans oublier, si tu pourrais me donner donc ce fameux lien pour le texte qui a été apprécié par beaucoup de personnes, c'est vrai qu'il apaise, hein. Hein, on se, ouais. Vraiment, j'ai bien aimé moi aussi. Donc, ce que je ferai, je le mettrai sous la vidéo. Voilà, hein. Ok, super, Tout mais à merci l'heure, beaucoup. tu peux, enfin, tu pourras peut-être pas me le donner tout à l'heure ou Si, peut-être si, demain, si. ou tout à l'heure on pourra. Tout à l'heure, je le fais Et tout de alors, suite. voilà. Eh bien, moi, je vous remercie beaucoup. Ben, je remercie déjà tout le monde. Nous y sommes 1271. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Nicolas, eh bien, je te souhaite une bonne soirée. Merci infiniment d'avoir partagé, eh bien, ce savoir avec nous. Hein, ça nous fait un peu plus avancer sur des choses qui sont un peu dans l'ombre encore. Merci Hein? beaucoup, merci beaucoup Véronique. C'est magnifique le travail que tu fais et merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette conférence. Voilà. Alors moi, je vous fais un gros bisou, hein, puis je vous dis ben à très bientôt. Nicolas, je te souhaite une bonne nuit et puis haut les cœurs, tout le monde. Gros bisous. Ciao. Revoir.